Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent et aujourd'hui 16e jour et comme vous pouvez le voir, les policiers ont dégagé la voie pour laisser la place au numéro 16. Donc aujourd'hui, ma guest star, notre guest star, parce que ce sont aussi vos vidéos, et ben ma guest star est un vieux set Lego Bionic sorti en 2005. Sorti en 2005, première vague aux États-Unis, sorti en 2005, seconde vague chez nous. Et un set que je n'ai jamais démonté d'ailleurs, parce que j'y tiens beaucoup. Et donc c'est Vakama Ortica. Hop là, que je vous montre un peu. Vous le connaissez tous, je pense. Mais au cas où, voilà. Donc, concernant le numéro 16, bah j'espère que ce sera un morceau de la voiture, parce que la pauvre est un peu vide. Nu, plutôt. Et je ne parle pas de la lettre grecque. Bref, c'est parti pour le numéro 16. Et le voleur est mort. Bien fait pour sa tronche. Hop. Et donc c'est en effet le châssis, enfin, plutôt la carrosserie de la voiture dans ce cas-là, je devrais dire. Alors attendez un peu que je regarde. Ok, ça va le faire. Donc, notre policier favori va dégager. Hop là, au revoir. On va placer ces briques que vous connaissez sûrement tous quand, si vous avez fait un peu de Lego dans votre vie. Hein, qui est une sorte de... Alors, c'est une sorte d'angle droit. Je ne saurais pas vous dire, à part dans les voitures, à quoi elle sert réellement. Elle va servir à faire des murs fins, en fait, tout simplement. Hop. Et à faire des formes continues qui sont assez jolies. Donc ensuite, on va mettre les garde-boue. Ou plutôt, la forme qui va entourer la roue, donc. Hein. Donc je ne savais pas, c'est la nouvelle version de cette pièce, vu qu'avant, elle n'avait pas de trou à l'époque. Hein. Elle n'avait pas de trou. Donc voici... le châssis, et ensuite nous allons prendre cette partie là, assembler ça au dessus. Je sais pas si c'est dans ce sens là, et très franchement ça doit être ça, oui, en effet. On va l'assembler à l'avant de la voiture et on va placer les feux devant comme ceci, et donc on commence à avoir quelque chose qui prend forme, et on aura une petite pièce en plus, donc une pièce type fromage en fait, hein. Comme j'aime à les appeler, des Bionifigs, c'est bien ça. Je range ça à l'intérieur. Et le numéro 16 est refermé. Et donc je vais remettre le pauvre policier qui a perdu sa place en voiture, dans sa voiture un peu plus... un peu mieux, quoi. Et donc, voilà. Et bah, je pense, j'espère que demain on aura la fin de la petite voiture qui est somme toute très sympathique et qui va pouvoir rouler donc sur les routes et écraser le voleur. Ok, d'accord, c'est un peu raté, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, bah, c'était la vidéo donc du 16e jour avec cette superbe voiture qui commence à prendre forme. Et les policiers qui meurent. Et les voleurs qui meurent. Et... la guest star du jour, donc je la remontre une fois de plus. Toutes les pièces d'origine de 2005, hein, elles n'ont pas bougé. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez,